Dominique, la réforme territoriale en cours répond-elle aux enjeux de l'économie française ? Alors c'est une excellente question parce que les collectivités territoriales contribuent massivement à la croissance de l'économie française. Donc ces réformes qui sont en cours sont des réformes qui sont bénéfiques pour trois raisons. La première, elles vont contribuer à clarifier les compétences qui étaient très emmêlées et réduire un certain nombre de strates administratives. La deuxième, c'est qu'elles vont, ces réformes, créer notamment des régions qui seront plus grosses et qui contribueront à l'amélioration de la compétitivité des territoires. Et la troisième, c'est que ces réformes vont également permettre de mutualiser des moyens, notamment via l'intercommunalité, et de faire un certain nombre d'économies budgétaires, puisque les différents rapports ont proposé de faire des économies de l'ordre de 5 milliards d'euros sur les budgets globaux des collectivités territoriales. Mais ces réformes, elles seront insuffisantes si on ne les accompagne pas d'une stratégie d'investissement public dans les territoires raisonnée. Pourquoi ? Parce que l'économie française se polarise. Elle se polarise pour des raisons de transformation que nous connaissons tous, la digitalisation, la tertiarisation, la mondialisation de l'économie française. Et cette polarisation a des effets très importants sur les stratégies d'investissement public. Et d'ailleurs, les régions françaises que l'on va construire restent significativement plus petites que les grandes régions allemandes. Les cinq grandes régions françaises vont contribuer à peu près à 2/3 du PIB de la nation, là où les cinq grands Länder allemands contribueront quasiment aux 3/4 de la richesse économique allemande. Dans quelle mesure cette réforme doit-elle accompagner la mutation de l'économie française ? Ces réformes, comme je l'ai dit, sont absolument nécessaires, elles ne sont pas suffisantes. Et pour bien comprendre ce qui se joue, il faut avoir en tête deux très importantes considérations. La première, j'en ai touché deux mots tout à l'heure, c'est la polarisation de l'économie française, avec deux chiffres qu'il faut retenir. 57% des emplois entre 2008 et 2012 ont été créés dans les grandes aires métropolitaines, Toulouse, Bordeaux, Montpellier, Nantes. 30% de la richesse nationale est créée dans la région Île-de-France. Donc l'économie française est une économie tirée par des locomotives métropolitaines. La deuxième considération importante, c'est l'atténuation des effets bénéfiques de la péréquation territoriale, qui est une vieille idée de l'aménagement du territoire en France, qui consiste à faire le pari de la péréquation pour rééquilibrer la richesse dans les territoires. Ce pari reposait grandement sur des effets d'entraînement, effets d'entraînement qui eux-mêmes reposaient sur un dispositif industriel qui n'est plus d'actualité, pour les raisons que j'ai indiquées tout à l'heure. La digitalisation et la tertiarisation de l'économie française entraînent des effets d'agglomération et de clusterisation qui ne permettent plus de reposer la péréquation territoriale sur des effets d'entraînement de filières. Pour finir, quels sont les enjeux de croissance d'une stratégie d'investissement public focalisée sur les principales métropoles ? De fait, pour accompagner ces réformes territoriales, il est important de bâtir une stratégie d'investissement public territorial. Et nous avons regardé trois scénarios. Le scénario de la dispersion, qui est le scénario historique finalement de la péréquation. Le scénario d'équilibre, où l'on flèche les investissements entre les métropoles, les villes moyennes, et puis les territoires avec des petites villes. Et puis le scénario de la polarisation, qui est un scénario délibérément orienté vers la focalisation massive des investissements publics vers les grandes métropoles. Ce troisième scénario est un scénario qui génère un excédent de croissance d'environ 1 point de PIB, c'est-à-dire 250 milliards d'euros. C'est donc un scénario très favorable pour l'économie française. Néanmoins, ce scénario présente un certain nombre d'inconvénients, puisque les grandes métropoles vont accueillir davantage de population, les infrastructures devront permettre de gérer des flux plus importants. Donc il conviendra, pour que ce scénario puisse devenir réalité, d'engager des politiques à la fois immobilières et d'infrastructures qui soient cohérentes avec ces effets d'agglomération.